Madame de Sévigné a une place un petit peu à part dans la littérature française. C'était une femme de lettres, c'était une grande épistolière. Et si elle avait une réputation de bel esprit de son vivant, sa gloire littéraire a été posthume. Alors ce livre, il infusait en moi depuis assez longtemps, mais j'étais tout à fait consciente de l'inutilité d'une énième biographie classique sur Madame de Sévigné. J'ai démarré ce livre un peu comme une petite enquête. Ce que l'on peut encore voir de Madame de Sévigné aujourd'hui, ce qui subsiste d'elle, voilà l'encrier, le bureau, les lettres autographes conservées de Madame de Sévigné, tout ce trésor de correspondance, ses lieux de vie, les objets qui lui ont appartenu, où peut-on la frôler, et qu'on puisse la suivre à son rythme, qui était un rythme assez trépidant, parce que c'était une femme sans cesse par Mons et par Vaud, toujours entre la Bretagne et Paris. Elle a fait plusieurs séjours en Provence pour aller rejoindre sa fille. Elle ne tenait pas en place. C'est s'imaginer pas seulement Madame de Sévigné comme une image mentale liée au grand siècle, avec ses grandes robes et ses chevelures tire-bouchonnées. Voilà, c'est l'imaginer comme une vraie femme qui a vécu dans des lieux que l'on peut encore apercevoir, voir des meubles qu'elle a, qui faisaient partie de son quotidien. C'était greffé à mon récit à la fois la vie de Madame de Sévigné telle qu'on la connaît, mais surtout qu'on l'on puisse vraiment cheminer avec elle, que l'on puisse la retrouver dans son intimité, c'est-à-dire à son écritoire. Pour une femme qui écrivait autant, forcément, ces choses-là, on se dit que ça a une importance un peu pratique. C'est se repositionner au plus près des lettres. C'est vrai qu'on a une émotion quand on voit ces objets-là, tout comme on a une émotion quand on voit des lettres autographes avec la vraie écriture. Et tout ce qu'elle écrivait était absolument délicieux. Donc on passe d'un sujet à l'autre, des choses des fois très triviales à des choses extrêmement profondes, comme une conversation. Ces lettres sont toujours pleines d'esprit pour qui les lit aujourd'hui. Elle a un côté indémodable.